Bon, laissez-moi me réadapter un petit peu au jeu, je ne sais plus ce que nous avions fait la dernière fois. On a récupéré un truc pour nager, oui, ça doit être ça. Oui, voilà. Putain, je vais pouvoir me donner autant que je veux à ce magnifique jeu qu'est God of War, vu que c'est les vacances pour moi. Une petite semaine, mais bon, c'est toujours ça, hein, on va pas se plaindre. Où dois-je aller? J'avais pas ouvert une porte, un truc comme ça là-bas? Il y a un truc là. À quoi ça peut bien servir? Oui. Bon, bah, on va dire qu'on n'est pas allé par là. Ah, j'ai pas oublié que je préférais cette lame. Bon, coffre. Oui, c'est vrai, j'aurais peut-être un petit peu besoin de magie. On ne sait jamais. D'ailleurs, niveau magie. Non, bah, je vais rester là-dessus, hein, vu ce que c'est ce que j'ai de plus puissant. Alors, pour plonger, c'est ça. Wow. C'est quand même incroyable quand on pense que Chronos a tout ça sur son dos. Le temple est quand même bien plus vaste que l'on ne le pense. Il est carrément à l'intérieur des trucs engloutis dans l'eau. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Une naïade. Ah, et ça sert à quoi? Une naïade, jamais entendu parler. Faut monter ou descendre là? Non, il y a forcément un truc dans la lumière. J'ai vraiment pas envie de rater des coffres ou quoi, si ça se trouve j'en ai déjà raté plein en plus. Ah non, bah en fait c'était juste de la lumière, voilà. Bon, c'était un peu gratuit le fait d'intégrer un PNJ comme ça en disant voici une naïade. Ouais, bon. Et après? Je pensais qu'on pouvait interagir avec ou quoi, mais non. Il me semble que ce n'est pas très solide. Oui, je sais, je tiens absolument à tout explorer avant. C'est vrai que je peux faire des charges sous l'eau. J'avais oublié. Hop. Encore? En plaisant aux naïades, on peut obtenir des dons magiques. Et on fait quoi pour plaire aux naïades? Non, si ça se trouve, elles vont servir pour après. Oh putain, t'as fait peur ce con. Hop là. C'est quoi déjà l'embarquer dans les airs? Merde, on ne voit rien. Ah. Comment ça, je perds vite patience? D'où pouvez-vous sortir d'une absurdité pareille? Oh, ça a même pas marché. La batterie est faible, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre au bout d'un moment? Ah, juste péter la gueule, c'est con! Allez! Ça va peut-être temps quand même que je mette le câble, on sait jamais. En plein combat contre un boss ou quoi, ça peut être très vite chiant. Ah oh, putain, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Faut être vraiment débile, c'est incroyable. Le câble. Ah, c'était pas prévu, j'adore. Non. À tous ceux qui eux aussi cherchent désespérément le bon câble à chaque fois dans leur bordel de câble ou quoi chez eux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dommage que vous ayez pas l'image parce que franchement c'est un tel bordel ici. Faut que je trouve un truc pour meubler là, c'est. Allez, putain de câble. Ah! Ouais, trouvé. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah, pour jouer tranquillement, c'est impressionnant. Oh non, mais c'est pitoyable là. Allez,
Voilà. On branche la manette, on ne fait pas tomber le portable, car le portable n'aime pas tomber par terre. Et c'est le bon câble en plus. Ah, c'est magnifique, hein. Ah, bon, la pause s'est mise toute seule. Bon, là, on n'aura plus de problème de câble, hein. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Waouh. Mais c'est quoi cette tuerie de poterie, là? Une clé des muses. J'en ai pas deux. Des succès. Non, me dites pas que c'est juste un succès. Oh non, voilà les... Hein, hein. Découvrez-vous... Découvrez... Ah, découvrirez-vous leur utilité? Merci, connard. Ça sert à quoi? Nager, ouais, ok. Mais ça... Ah ah, allez-vous savoir, allez-vous enfin découvrir à quoi sert la clé des muses? Mais non, vous ne pouvez pas. Alors, à tous les coups, c'est pour débloquer les bonus du jeu, genre le making-of, des trucs comme ça. Je ne vois que ça. Ah, je suis blasé là. Vous avez enfin trouvé les deux clés cachées. Maintenant, devinez à quoi ça sert. Connard, je te hais, toi et toute ta famille. Bon, les naïades là, non? Non, bon, allez vous faire foutre. Kratos, c'est un vrai poisson. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans God of War 2, même dans le 1, il me semble qu'on peut débloquer des... Oula, dans la bouche. Des costumes bonus. Et dans le 2, on peut débloquer un costume de Kratos où il est habillé d'un déguisement pourri de poisson. Et c'est Crasson. Oula. J'aurais voulu que ça se rapproche. Oh putain. Ah, oh, j'ai eu peur, je vois toute la salle qui se met à bouger, je me dis tiens, mécanisme, ouais ok, tiens, ça se rapproche, oh merde. Oui, donc on peut débloquer le costume de Crasson. C'est parfaitement ridicule et c'est le God of War bien violent qu'on connaît, mais avec un personnage déguisé en poisson, c'est assez drôle. D'ailleurs, dans un autre God of War, il me semble qu'il y a Kratos avec un costume de pomme de terre, si je me dis pas de conneries. Non, non, c'est vrai. Et costume... Oh, on peut se déguiser en Athéna dans le 2 aussi. Dégager. Ah, c'est vrai que... À chaque fois, je suis subjugué par la capacité qu'ont les ennemis à arrêter mes attaques. Allez, dégage. Bah, un coup puissant. Il y en a combien là? Oh, c'est fini là? Merde. Pourquoi parfois les ennemis n'arrivent pas à me suivre dans les airs? Et pourquoi parfois je n'arrive pas à parer? Et pourquoi je n'arrive jamais à esquiver les putains de harpies? Non, non. Ah, bah c'est première fois dans le jeu que j'arrive à les esquiver, je crois. Bon, ça devient chiant là. Non, c'est vrai, c'est très chiant. C'est insupportable. Oh, mais c'est pas... Ouais, bien sûr. T'as une portée de combien de kilomètres, toi? Est-ce que vous allez enfin me foutre la paix? Non, évidemment. Quelle question stupide. Ah bah quand même, parfois il peut parer, ça c'est sympa. Mais vous m'emmerdez. C'est bon là. Ah, je préfère prendre de la magie, voilà. Non. Ah bah de toute façon il y avait un autre coffre, hein. Je l'ai même pas vu. Vivement que j'ai la... La magie d'Hadès que l'on trouve un petit peu plus loin, franchement, c'est, je trouve que c'est la meilleure. Et c'est parfait pour arrêter de se faire harceler par le moindre ennemi. D'ailleurs, non, lame du chaos, je m'en fous. La lame d'Artemis, ah, quand même, hein. Je suis quand même loin du compte. J'ai pas fait gaffe, mais où je dois aller, là? C'est un truc à escalader, non? Oui, j'ai un taux de concentration en général proche de zéro, donc... Ouais, faut plonger. C'est ça? On a juste inondé la zone?
Bon. Mais c'est incroyable, j'ai absolument pas suivi ce qu'il fallait faire là. Oh là là, il faut vraiment que je me concentre. C'est marrant, mais... Ah ouais, d'accord, en fait ça se déclenche à la seconde où j'entre dans la salle. Bon, ce serait un peu trop con de rater un truc, je vérifie quand même s'il fallait pas continuer par là, tout simplement. J'ai même pas percuté à quoi servait le levier, c'est pour dire. Bon. Faudrait passer par là. Non. Faudra arriver à inonder un peu plus la zone en fait, pour grimper sur les trucs extérieurs, je pense. Non, bon. Bah allez vous faire foutre, je vais revenir en arrière. C'est quand même un peu con. Voilà. J'aimerais bien savoir à quoi servent ces putains de naïades. Allez. Le marathon sous l'eau. Wow. C'est quand même bien foutu, hein. Assez oppressant. Puis on... Ouh là là, on se rend pas tout de suite compte que ça se rapproche et petit à petit on se met à paniquer. Non, c'est bien foutu comme piège. Bien salaud, mais bien foutu. Ouais, je crois que j'ai rempli un peu plus la salle en fait. Et toi? Non? Oui, non? Espèce de figurante parfaitement inutile. Non, là ça a pas plus rempli la salle, j'ai l'impression. Si seulement je pouvais savoir à quoi servent ces saloperies de clés. Ce serait cool, c'est que ça m'ouvre une salle remplie d'orbes et de trucs en tout genre, ça serait bien sympa. Je vais quand même pas revenir en arrière, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je le fais d'ailleurs. Ouais, Naïade. Va te faire foutre, Naïade. Tu ne sers à rien. Voilà. Oh là là. Pourquoi j'ai pas été foutu de rester concentré sur un écran? Mais je suis où là? Ouh là 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 là. Voilà, c'est pour dire, j'ai même pas fait gaffe par où j'étais passé. Et là, d'un seul coup, oh, nouveau chemin. Sans déconner. J'ai même pas fait gaffe. Ouais, normalement je vais à droite. Naïade, etc. Et là, bon. Bon. J'ai même pas fait gaffe, d'accord. Ou alors, non, il y a plusieurs chemins, il faut activer plusieurs leviers pour inonder un peu plus la salle. Et ça fait plaisir aux naïades. Je vais pas sauvegarder. Sauvegarder, c'est pour les faibles. Là. Oh, ça sent pas du tout la porte qui ne demande qu'à être explosée. Hein. Bobo la tête. Il a pas que... Ouh, je suis flippé lui. Mais pourquoi ils sont obligés de le rendre aussi flippant le possible? Aïe. Je vais d'abord aller par là où c'est pas dangereux. Ça m'énerve d'avoir trop de choix de direction comme ça. Mon naïade. J'en ai rien à foutre. Je veux qu'elle serve à quelque chose. Ah. Oh. Ah, ça me fait plaisir à moi. Oui. Non. Oui. Et un petit dernier? Ah non, il y en a encore un. Oui. Ah, ça fait plaisir. D'ailleurs, il y en a une ou un, je ne sais plus, qui m'avait marqué en commentaire à quoi correspondait le nombre de barres d'orbe rouge, parce que je suis assez bidon en calcul. Je vais regarder vite fait. Je crois que c'est sur la dernière partie de God of War, la 4, un truc comme ça. Je vais vous dire ça tout de suite, parce que là, ça me perturbe. 300 orbes dans le menu. 12 orbes et demi pour activer. 12. Voilà, 12 barres est égal à 3600 orbes. Voilà, grosso modo. Donc, si je divise 3600 par 12, oui, je suis sur la calculette du bureau de l'ordinateur, et alors?
En plus, c'était marqué, mais je suis trop débile pour le voir. Donc, merci à toi, petit 21, de m'avoir éclairé là-dessus. Moi qui suis absolument nul en calcul. Oh. Je vais jusqu'où comme ça là? Eh ben. Oh merde. J'ai pas sauvegardé. Ouh, ça va, ils sont pas trop salauds. Donc c'est bon à savoir qu'une barre, oula, est égale à 300 orbes. Non. En fait, je crois qu'il y a un truc. Ouais, il y a un truc dans le sol. Apéricube Kratos. Ça va faire mal de se faire écraser par une grille en acier. Bon, cette fois, c'est la bonne. Dis-je. Allez. Merde, monte! Pignouf! Ah non, en fait, il y en a deux! Oh là 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 là! J'avais dit qu'il me fallait un petit temps d'adaptation. Eh bien, merde, il m'en faut un. Non, là, il n'y en a qu'un. Non, je comprends pas. Allez, go. Non, mais... Descends, descends! En plus, il meurt avant de toucher la grille. Ouais, il meurt d'une crise cardiaque juste avant. J'arrive pas à me déplacer. Sans déconner. Allez. Mais non, mais pourquoi il fonce vers le sol? Mais. Oh, mais c'est pas vrai, je vais pas y passer 10 ans à ce putain d'endroit. Là, je regrette de ne pas être dans God of War 2 et de pas avoir l'outil pour ralentir le temps. Mais... Allez... Oui! Bon. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'à la seconde où il touche la plateforme, il accélère d'un seul coup. D'où ça m'a touché. Ah d'accord, il y a une roue juste en dessous, bien pour faire chier. Surtout que c'est la roue qui traverse le la paroi, mais c'est pas grave, hein. Allez, oups. Non, c'est calculé pour que vous n'y arriviez pas en une seule pulsion. Je hais ces pièges de merde où il faut mourir 30 fois pour y arriver. Allez. Allez, allez. Oh, mais... Voilà. Regardez, la roue qui est en dessous de la paroi est en train de traverser le... Bah, le sol, quoi. Voilà. Oh, mais... J'aimerais bien savoir d'où ils arrivent à me toucher avec... Voilà. Allez, forcément, je suis scotché au sol, là. Allez, biatch, bouffe-toi ça, la roue. C'est quand même taré d'inventer des trucs pareils. Bon, où suis-je? J'aime pas les trucs qui se referment derrière moi, j'ai l'impression que je suis piégé à chaque fois. D'ailleurs, c'est bien souvent le cas dans les jeux. Ils sont vraiment tarés, les dieux, de proposer aux mortels d'entrer là-dedans. Vous voyez les petits soldats de base, les Athéniens qui essayaient de s'emparer eux-mêmes de la boîte de Pandore, ils ont même pas réussi à passer l'entrée, bah heureusement. Oh, Minotaure. Non, tu ne peux pas me toucher, je prends mon bain. Ah oui, merde, c'est vrai, la Gorgone, c'est mieux contre eux. Mais non, mais prends l'Artémis, là. Ah. Ah, évidemment,
Lui aussi, il peut me parer, il peut m'enchaîner au sol, évidemment, je suis con. Ah, mais... C'est vraiment pas équitable, les combats contre les certains monstres. Oh, oh. Ah oui, lui, je peux pas l'attirer dans les airs. Je peux avec les lames du chaos, mais pas avec la lame d'Artémis. Ah mais... Vous m'emmerdez tous les deux, mais franchement... Ah, oh, je vais pas me laisser emmerder par ces putains de Minotaurs. Non, les ennemis ne sont absolument pas chiants dans le jeu. C'est horrible, je suis tellement habitué à God of War 3 que au système de parade qu'il y a dedans et tout, que là je galère comme c'est pas permis. Et je me rends compte que le 3 est largement plus simple. Bon. Alors je suppose que ça va inonder la salle. Non. Et non. Ça va faire apparaître une fontaine escalier. Il se prive de rien, Poséidon. Ouais. Hey. Ah d'accord. En plus, rien que pour emmerder le monde, ça peut... Voilà, ça redescend au bout d'un moment, évidemment. Mais sinon, c'est absolument pas drôle, comprenez. Il se prive de rien, Poséidon. Il se dirait, hein, je pourrais mettre un pont. Non, c'est pas assez prestigieux. Ah, je sais, je vais mettre un escalier. Non, 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 mieux, mieux. Je vais mettre des fontaines escaliers. Haha. Allez, allez. Oui. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais par ces putains d'attaques une fois pour toutes dans ta vie, Kratos. Allez, attaquez, allez-y, attaquez. Juste pour le plaisir de vous parer, voilà. J'adore vous parer, là. Voilà, oh, regarde, tu ne peux pas m'attaquer. Oh, regarde comme je te pars. Non, je suis pas en train de péter un câble. Ah. Je trouve que le temps qu'il passe des attaques à la parade est beaucoup trop tôt. Beaucoup trop court, quand même. Sans être de mauvaise foi quand même. Même si je le suis beaucoup. Ah mais fous-moi la paix. Ah, sans déconner, dégage. Ça c'est un truc qui me fait un peu chier dans tous les God of War, c'est. On a l'impression que ça va être un coffre œil de Gorgon ou autre, mais non, c'est un coffre orbe rouge. Alors pourquoi ne pas avoir mis un coffre orbe rouge tout simplement? Amphitrite, la femme de Poséidon, surveillée pour toujours cette pièce maudite. Amphitrite que l'on rencontre dans God of War 3, si je ne m'abuse. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai replongé? Ah non, me dites pas qu'il y avait rien d'autre à faire. Il y a bien un truc à faire là-haut quand même. Amphitrite connaît la sortie. Bah, c'est cool pour elle, mais ça m'avance pas tellement de savoir ça. Ou alors faut essayer de la trouver, la tabasser jusqu'à ce qu'elle nous donne la sortie. Bon, elle seule connaît la sortie, c'est cool. Non, ça ne se détruit pas. Non. La sortie, elle pointe vers où là? Dans la flotte. La sortie est dans la flotte. Bon bah... Y'a rien d'autre à faire. Hein. Mais la sortie, c'est là d'où je viens ou quoi? Non, ça peut pas être par là, j'en reviens. À peine. Ah tiens. Comme quoi, je fouille toujours pas assez. Oh, non. Et là, bah non. Et si j'active le levier et que je retourne dans la flotte?
Ah oui, peut-être. Oui, voilà. Ingénieux. Si j'y arrive. Non, en fait, c'est pas ingénieux. Ah, la sortie n'est pas par là. En fait, là d'où je viens, c'est vrai que la porte s'est refermée. Et à tous les coups, je peux pas l'exploser avec un coup de boule à la Kratos. Non. Non, ça doit être un rapport avec le levier. Je trouverai, je trouverai. Amphitrite, ça m'arrangerait de parler à la vraie Amphitrite et pas une statue. Ah, je m'en doutais que c'était un truc comme ça. Je sentais bien le coup du levier là. Mais encore. Ah, quand même. Et là, nous sommes où? Eh, mais on n'est pas déjà venu là? Il y a longtemps. Ah bah oui, forcément. Les anneaux de Pandore, encore une fois. Bon bah, bon, il y a forcément un truc à faire une fois pour toutes avec cette pute. Ce putain de prisme qui fait un rayon. Depuis le temps que je retourne à cet endroit, ça doit bien servir à quelque chose au bout d'un moment. Et là-bas, je ne sais plus ce qu'il y a. Coffre ouvert. Ouais, bon. On va le réactiver encore une fois parce que c'est drôle. Il y a un truc là. C'est nouveau ça. On peut pas. À quoi ça sert? C'est chiant, je peux pas aller activer ce truc. Quand je vais enfin trouver à quoi sert ce putain de rayon. Je comprends pas, il y a un truc derrière, mais je peux pas l'attraper. Allez! Mais pourquoi je peux pas aller activer ce putain de levier? En plus, techniquement, j'ai la place, non? Non? Quoi, faut être en mode lame du chaos? Oh, mais va crever! C'est bon, je me casse. Oh non! Oh là là, oh non. Merde, comment on les explose ceux-là déjà? Oh merde, j'ai oublié comment on pétait les boucliers. Merde. Oh, fait chier. Ah oui, c'est vrai. Voilà, un truc comme ça. Oh, mais je peux le péter ton bouclier de merde là? Oh, c'est fini, oui. Ah, oh, mais stop là! Oh, c'est pas vrai! Je vais tous vous latter la gueule. Saloperie de merde. Allez vous faire foutre avec votre bouclier. Je vous emmerde, je vous mets quelque part votre bouclier. C'est fini là. Et là-bas, non. Aucun indice, rien, c'est chiant. Non, je veux pas monter. Quoique, il n'y a pas un. Ah. Qu'est-ce qu'il y a au centre de la pièce? Normalement, il y a de l'eau, je m'en rappelle.
Oui. Ah bah oui, on va pouvoir enfin plonger. Oh, c'est quoi ce mur invisible bidon? Sans déconner, c'était quoi ce truc vraiment nul? Alors, mais oui, vous pouvez très bien passer, mais non, on n'a pas envie que vous passiez maintenant. Alors, mur invisible dans votre gueule. Oh, je suis blasé là. Et on va trouver un moyen de passer le mur invisible. Eh bien, un escalier quelque part. Merci. C'est vachement utile. Et là, il va me dire aussi que c'est fermé, que ça doit être ouvert par un autre moyen. Non, là, il ne me dit rien. Ce n'est pas une porte, en fait. Cet endroit est d'un chiant. À chaque fois que j'y vais, je me dis ça en plus. Ah, enfin. Bon. Que pouvons-nous faire? Il y a une porte au centre de la statue, je me rappelle, mais. Ah. Inutilisable car submergé. Dit le mec qui arrive à faire des charges en pétant des murs de sa tête et en s'appuyant sur l'eau. Quoi, il y a un autre crâne? Ah, là on peut passer par là, mais est-ce qu'il y a un autre truc avant? Non, faut que je trouve un moyen de vider la salle. Ça me fait penser à un trou dans une baignoire, ce truc. Pour enlever le bouchon. Déjà que le temple et la montagne, ça doit être assez lourd à porter, mais si en plus il y a autant de millions de mètres cubes d'eau à l'intérieur, le pauvre Chronos s'y doit douiller. Oh là là, les passages interminables dans l'eau quand même. Ah, une petite douche. Sympa. Sympa le coin douche. Moi je reprends ma lame d'Artémis car je suis têtu. Ça sent pas du tout le piège. Oh putain, je me rappelle de cet endroit. Oh là là, là ça va être violent. Ah, je m'y attendais pas à ce qu'on arrive dans cette salle aussi vite. Vous noterez un peu la taille de la pièce qui fait arène, avec une immense porte, probablement pour laisser passer une créature tout aussi immense. Oui, vous l'avez compris, ça sent le combat de boss. Alors, je vous avais dit que pendant le jeu, il n'y avait pas le Minotaure, il y avait plusieurs petits Minotaures. Mais je me suis trompé. Il existe une sorte de gros méchant Minotaure que l'on va rencontrer dans quelques instants. Mais il est assez bizarre, je me rappelle, hein. Un truc en armure, je sais pas quoi, bizarre. Faut pas aller ouvrir la porte manuellement. En forme de Minotaure, ouais, bon, ça va, on a compris. Je ne sais plus comment on fait par contre. Oui, je vois pas du tout l'intérêt d'avoir fait une forge tout autour, ça sert à rien. Il y a juste ça qui est utile, ça permet de lancer des pieux enflammés en fait. Y a pas moyen de corriger un peu le tir? Le problème c'est que j'ai complètement oublié comment on fait. Merde. Voilà, non. Non, bon, tant pis. Non, en pétant le levier peut-être, non. Ah, mais c'est pas vrai. Quoi, faut sonner 3 fois? Faut utiliser tous les. Ah non, on peut pas tous les utiliser, il y en a à l'infini. Bon, comment on corrige le tir, s'il vous plaît? Ceci, rébarbatif, est chiant et long inutilement. Peut-être en sautant, non? Non, ça aurait été trop simple de le faire à main nue. Ça ne sert à rien.
Ah là, je suis bloqué. Putain de statue inutile. Et je m'énerve même contre les statues. Non, là tout de suite, on ne peut pas aller se baigner dans la forge, non, ça ne servira à rien. Là il n'y a rien, là il n'y a rien, là non plus. Mais merde! Là évidemment, si je refais ça. Ah, je peux même pas aller le l'arrêter ou quoi le levier. Peut-être en forçant à mort. Non, il n'y a pas moyen. Je ne trouve pas comment on fait. Ah, non. Bon, bah je sais, il n'y a rien à faire. Non, c'est pas possible, il y a forcément un truc à faire. Ah, il y a un truc en face là. Ah oui, bon, fallait faire gaffe en entrant dans la salle qu'il y avait un truc. Ouais, bon, c'est petit, hein. C'est petit. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Allez. J'ai eu une petite impression que ça avait planté pendant une seconde, ce qui était assez flippant. Fallait le voir, ce petit machin, franchement. Sans aucune arrière-pensée, bien sûr. Ah, là, tout de suite, c'est plus impressionnant. Waouh, balèze. Le défi d'Hadès. Ah, magie d'Hadès, enfin, une bonne magie. C'est ici qu'on va la voir, je me rappelle. Pour moi, la magie la plus balèze. Et vu qu'Hadès, il est trop badass, il a une statue de masochiste bizarre. Et il a une fontaine de sang à lui tout seul. C'est d'ailleurs marrant de voir un peu l'image qu'il montre dans le jeu d'Hadès. Là, il montre ça comme un être des ténèbres, sanguinaire, atroce, l'enfer, regardez ça. Mais ils associent ça à l'enfer catholique comme le diable. Alors que Hadès, c'est pas quelqu'un de méchant en soi, à la base, c'est juste le gardien des morts, quoi. C'est tout ce qu'il fait, quoi. C'est pas parce qu'il vit avec les morts que c'est forcément un gros méchant. Bah, dans le jeu, il le montre comme un putain de démon. Mais c'est impressionnant. Bon, c'est pour faire plus fun, quoi. C'est God of War, il y a des monstres horribles. Faut en montrer de plus en plus. Et ça les amuse, hein. De toute manière, ça fonctionne très bien. Pareil, ils associaient toujours un peu à l'enfer catholique. Beaucoup de feu, de lave, de flammes, c'est infernal, quoi. C'est l'enfer. Mais non. Il me semble pas que les enfers dans la mythologie soient vraiment comme ça, quoi. Avec du feu de partout, quoi. Ah, d'accord. Bon, sympa. J'aime bien ces trucs comme ça. Non, non, il fait trop noir, vous ne pouvez pas y aller. Connard. J'ai pas une magie pour voir dans le noir ou quoi? J'ai pas une torche. Dans la fontaine de sang, il n'y a pas un truc là? Il me semble que ça se lève au bout d'un moment, ce truc. On peut pas exploser. Non. Non plus. Mais alors quoi? Dans le dos d'Hadès, non? Mais alors quoi? Comment qu'on fait pour s'éclairer quand on n'a pas de lumière? Non, j'ai pas de magie qui permette d'éclairer vraiment. Les lames du chaos, non? Non, même ça ne marche pas. Ah, mais quand même! Ah, tiens. Quoi, faut quand même pas aller plonger. Y a un truc qui tourne là-haut, ça me perturbe. Ah, d'accord.
Ouais, c'était moyennement évident. Je suis tellement plein de mauvaise foi, c'est impressionnant. Ah bon? Bon. Légèrement déçu, je m'attendais à une solution à mon problème. Bah, il y a le même de l'autre côté, du coup. Ouais. Ça, à tous les coups, je l'avais raté lors de ma première partie. Oh! Et une plume. On ne peut pas passer, non? Évidemment. Bon, à part ça, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? À part dîner. Ouais. Bien, non. Ouais, d'accord. Ouais, bah là-bas. Hein. Ah, bah. En plus, ça paraît tellement évident. Quand on sait être un minimum attentif, oui. Crétin. Regardez un peu la gueule qu'ils lui ont fait. Ils lui ont mis des cornes et tout. C'est un diable. Hadès vous défie de procéder au sacrifice sanglant. On va pouvoir passer. Mais bien sûr, sacrifice sanglant. Mais qui n'accepterait pas? Du moment que c'est les autres qu'on sacrifie, y a pas de problème. Merde, c'est quoi ça? J'avais complètement oublié qu'il y avait des centaures dans ce jeu. Ah là, par contre, je tombe de haut. Et on dirait mi-centaure, mi-démon. Donc c'est assez bizarre. Allez, on va péter du centaure. C'est quoi ça? C'est quoi ce cercle? Ah oui, il faut les tuer à l'intérieur. Oh, c'est fini là. Ah, j'ai pas la bonne magie. Ah, faut en tuer encore un. J'aimerais bien voir le QTE du centaure quand même. Ah, mais ils peuvent tirer à l'arc en plus. C'est tout? Non, je vais essayer de voir son QTE. Ah! Paf! Paf le centaure, tu connais? Alors. Il a coupé quoi, des sabots? Ah merde, il coupe des sabots, d'accord. Excellent. Quoi, il en faut encore? Non, il n'y a pas un autre cercle? Ah oui, bien sûr. Ah oui, il y a un autre cercle. Allez, venez mes petits. Merde, j'en ai tué que deux. Ah, c'est pas pratique de devoir re-switcher d'une arme à l'autre comme ça. Allez, je vais lui couper les sabots. Hop, hop. Et après, on dirait qu'il lui coupe la tête. Merde, ça n'a pas fonctionné. C'est fini, oui. Mais ils font mal, ces cons. Ah oui, ça, on ne peut pas le parer, d'accord. Ça aurait été trop simple. Ah non, mais si à chaque fois il s'échappe du cercle aussi, on va pas y arriver. Mais foutez-moi la paix, merde. Hadès, tu peux pas me foutre ta magie maintenant? Que la colère des dieux guide tes lames, Kratos. Ah, quand même. Non, je ne veux pas gâcher la colère des dieux maintenant. Voilà, c'est bon là. Merde à la fin. Les chevaux se cachent pour mourir. C'est quoi cette phrase inutile? Mais non, je cherche même plus à comprendre les succès. Non, c'est au-delà de tout ce que je peux comprendre. Putain, mais dans un jeu genre Half-Life, ils viennent pas nous emmerder avec des succès. Ou alors c'est des succès marrants quoi, qu'il y a dans Half-Life 2. Je sais pas, pourquoi j'ai pris les deux coffres verts? Mais je suis complètement con, c'est dingue. Dans Shadow of the Colossus PS3 aussi, ils m'ont fait le coup avec les succès totalement qu'on a rien à foutre. J'aime bien cette salle toute rouge là, ça s'annonce bien.
une orbe, yes. Alors. Allez, il y a forcément un truc là-haut. Oui. On me la fait pas, moi. Ouais, bof. À la limite, ils auraient mis un grand coffre rouge, ça aurait été très bien aussi. Râleur jusqu'au bout, exactement. Oh, la gueule de Hades, quoi, ça me choque vraiment. Le pire, c'est que dans le 3, il ressemble vraiment pas à ça, quoi. Il est pire. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pas 3. En plus, il s'est arrêté devant, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup ce genre de truc pas du tout logique, mais bon. 1, 2, 3, voilà. Ou alors, j'ai peut-être pas. Le gros cliché des pics qu'il y a dans le mur, aïe. Hop là. Ça fait un peu Indiana Jones mais en plus violent. Alors qu'y a-t-il juste ici? Oh tiens. Ah. J'aime bien les placements de caméra aussi. Allez, crève. Voilà. Ah oui, je me rappelle, c'est un espèce de mini-labyrinthe où il faut tuer absolument tout le monde. Oh, c'est pas du tout glauque ça. Mais Hadès, depuis quand c'est le dieu du sang et de la souffrance? Non, c'est... Non, en fait, à l'image du 3, en fait, ils l'ont transformé en gros sadomasochiste, avec un masque très glauque, avec des pics plantés un peu partout. Enfin bref, c'est un gros sadomaso. Mais... Vous vous amusez à chercher un peu, c'est un bête gardien, Hades. Allez, crève. Casser les pattes arrière. Hop, QTE. Ouh, ça fait mal. Ouais, à la fin, il l'égorge, tout simplement. Il y avait un coffre là-bas. Ah, laisse-moi prendre mon coffre avant de mourir. Allez! Bon, évidemment, c'est pile quand je saisis la poignée qui vient m'emmerder, le petit con! Tiens, je te spam! Allez, dégage! Crève! Ah, mais il y en a d'autres en plus! Tu m'emmerdes! Vous m'emmerdez tous, putain de vous! Bon, je peux prendre mon coffre. Voilà. Ouais, faut tuer absolument tout le monde dans le labyrinthe pour pouvoir passer. C'est ça l'épreuve du sang de Hadès. Oh! Et là, il y a une fontaine qui sort totalement du décor. À la limite, ils auraient mis une fontaine de sang, ça collait plus à leur univers, mais là, petite fontaine, voilà, tranquille. Oh putain. Serait-il possible que vous soyez casse-couille de nature? Ah, tu pensais m'avoir, saloperie. Hop, hop, hop. Donne-moi de la magie. C'est vrai que ça en donne un paquet quand même. Faudrait que je l'exploite un peu plus ça à chaque fois. Alors là, il y a un levier. Non, à tous les coups, c'est un ascenseur. Tiens, à vérifier que je n'ai rien oublié avant. Ah, j'ai du genre un coffre. Mais à tous les coups, non, je n'ai rien oublié. Ouais, bon. Alors, tous à l'ascenseur. Tadadada. Il doit à peine se niquer les bras pour chaque piège ou mécanisme. Ah, ça redescend. Pas un truc en arrière, parce que là,
avec les angles de caméra plutôt bizarres, parfois on a du mal à voir s'il n'y a pas un chemin en arrière ou quoi, c'est chiant. Oh putain, et d'un seul coup, des archers. Bon, des trucs qu'on dirait des portes, mais en fait non. Ah, ça sent le piège bien salaud. À tous les coups, ça nous tue en un coup, ça. Ah oui, regardez, c'est le compteur. C'est le compteur de sang. Que vous détruisez tout le monde dans le labyrinthe avant de pouvoir partir. Ouais, c'est bien ça. Bah. Voilà. Allez. Du sang pour le dieu du sang. À la limite, ils auraient mis corne de Warhammer 40 000, ça collait plus. Contre quoi ils butent à chaque fois? Contre rien. Ouf. Et ça, par contre, ça ne le tue pas en un coup. Mais tu vas me faire le plaisir de monter là-dessus sans prendre des dégâts? Ah ouais, par contre là on ne peut pas y aller, si. Non, on ne peut pas y aller. Putain, c'est dommage ça. Je suis sûr qu'il y a un truc intéressant. Ah 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 ah. Genre on peut pas y aller, vous m'avez pris pour qui là? Non mais... C'est tout? Ah, c'est tout? Décevant. Ah, mais qui je n'ai pas encore tué? Ah, c'est ça le problème, c'est qu'en fait ils nous ont tout mis dans un labyrinthe. Surtout qu'au passage, le labyrinthe n'est pas du tout à l'image d'Hadès. Bon, à la limite, si, les enfers, labyrinthe, ouais, vite fait quoi. Non. Le principe du labyrinthe, c'est que vous allez galérer à trouver ce que vous voulez exactement. Alors la fontaine de sang, qui pleure du sang d'ailleurs, vachement, vachement cool, mais bizarre. D'accord. Alors, là on va commencer à s'amuser. Ça se trouve, c'est un pauvre couillon d'archer que j'ai oublié et qui n'avait pas envie de crever. Non mais il n'y a plus personne. Alors, j'ai hâte de retrouver ce putain d'archer là. Parce qu'à tous les coups, c'est un archer, parce que c'est toujours l'ennemi le plus faible et le moins intéressant du jeu qui va vous emmerder jusqu'au bout. Ou alors ces espèces de portes qui n'en sont pas en fait. Mais pourquoi il me manque autant de trucs? Va te faire foutre, Hadès, sérieux. Allez petit, on y croit, je veux voir là-dedans. À tous les coups, c'est là-dedans. C'est quand même de la rigolade, c'est vraiment minuscule comme endroit. Ah, les passages en labyrinthe, je m'en passerais bien dans les jeux en général. Bon, on va refaire un tour des lieux. J'aimerais bien savoir comment on ouvre ces trucs, parce que ça ressemble trop à une porte. J'entends un bruit de l'autre côté. Ah non, c'est la musique tout simplement. Non. Non, c'était la musique. Oups, putain.
Bon, est-ce que oui ou merde, je peux enfin trouver où sont les derniers ennemis chiants du jeu qui me retardent inutilement? Philippe, je sais où tu te caches. Oh là là, mais c'est fatigant. Et on repasse par là. Et on va passer dans ce sens cette fois. La fontaine magique. Qui ne sert à rien. Salaud ! Non plus. Bon ben c'est pas grave, on va continuer. Hein. Je vois pas. Et là, cette fontaine de sang, là. Ah, j'ai oublié que j'avais ça aussi. Ah merde. Voilà, au cas où j'ai besoin de casser la gueule à plein d'ennemis en même temps, j'ai utilisé ma dernière magie. Mais allez, comment on sort de là? Oh là, mais ça m'emmerde. Ah. Ouais, je vois. Je comprends maintenant pourquoi on peut tomber de cette plateforme. Non, on ne peut pas. Mais il y a forcément un truc en bas. Allez. Allez. Mais comme... Allez. Je suis sûr qu'on peut descendre en plus. Non, en fait c'est pas ça du tout, si ça se trouve. Alors quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez! Non, bah on ne peut pas descendre en dessous de cette plateforme, ça aurait été parfaitement logique, mais non, on ne peut pas. Je savais pas qu'un beat'em all pouvait être aussi fatigant. Et ça, là, ces portes. Oh, je vous jure, je commence à être fatigué, là. J'aime bien ce qu'à chaque fois, il me téléporte dans la salle, carrément. Allez, donne-moi un indice, ils sont où? Je suis impressionné là tellement je suis dans la merde. Non. Je suis pas fou quand même, ça ressemble à tout sauf à un mur, c'est. Toi regardez qu'il y a un espace en haut là. Il y a un espace. Il y a moyen de monter quand même. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Ça alors, figurez-vous qu'on pouvait passer en fait. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si jamais, si seulement j'avais gardé ma magie. Depuis tout à l'heure, je cherchais le bouton pour pousser les putains de blocs. Allez, voilà les tout derniers. Ah, il y en a un paquet en plus. Là, ils se sont lâchés. Ils se sont dit, on va tous les mettre là, ceux qui manquent. Tous. Ça va, petit à petit, je me fais quand même à la parade. Allez, voilà. C'est bon, là. Tiens, saloperie de statue. Ah, évidemment... Ah bah tiens, deux petits archers là.
Tadam! Arès accepte votre offrande. C'est cool. Là, du coup, je vais prendre la. Voilà. Maintenant, je sais à quoi m'attendre. Hop. Ça va être pour retourner, par contre. Sur mes pas, ça va être marrant. Ah non, ça va, ils sont sympas. J'ai combien d'orbes là? 5500, pas mal, pas mal. Hop. Je vous le dis, moi, c'est fatigant, God of War. Et tout ça pour revenir dans... Oh putain. S'il avait escaladé à main nue, on n'en serait pas là. Hein. Hop. Ouh. Non, je suis désolé, mais ils ont vraiment déconné, là, pour Hadès. Ou alors, on dirait l'énorme démon dans Fantasia à la fin. Une statue, Seigneur Hadès, maître des enfers, cool. Ça m'apprend quoi? Oh, il y a un levier derrière la tête d'Hadès. Oh, je suis en train de lui tordre le cou. À quoi cela sert? D'accord. J'aimerais quand même savoir à quoi ça sert de faire ça. Ouais, d'accord. Et eh ben normalement ça doit éclairer la... ça doit éclairer par là-bas. Au cas où je tombe, il y a bien un escalier, un truc comme ça quand même. Ouais, ça va, ils sont sympas. Oh, il y a une ouverture. Ils sont bien fait chier à mettre ces dispositifs là quand même. Allez Kratos, tu peux le faire. Et là maintenant, Hadès s'est transformé en phare. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Ouais, mais avant, je vais sauvegarder parce que là... Ouais bon, ça servait un peu à rien de montrer ça. Oula. J'ai besoin de reprendre mes esprits. Ah, ce labyrinthe, ça m'a laminé.